fonction de bourgmestre pour me consacrer à ma vie économique. Car vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un choix délibéré et effectué au moment que j'ai personnellement estimé le plus opportun. Je quitte d'ailleurs mes fonctions le cœur léger et fier d'avoir pu consolider et pérenniser une équipe jeune, expérimentée et dynamique. 30 ans de vie en Soise, c'est long, mais ça reste passionnant. J'ai exercé dans cette commune successivement toutes les fonctions, à l'exception de celles liées au CBS, conseiller communal de 87 à 93, et échevin de 93 à 2007, bourgmestre faisant fonction de 2007 à 2010, et enfin bourgmestre en titre de 2011 à 2017. J'ai longtemps, Walter, été le plus jeune membre du collège, car à Anse, on devenait échevin par décès uniquement. Comme moi, j'étais le plus jeune de 1993-2006. Et j'ai donc croisé plusieurs générations de politiques, tous avec leurs qualités respectives. Je pense ici avec émotion à mon grand-père, à mon ami François N. ou à Armand Pittman. Il reste de la première époque quelques... La politique était dure, Hans, et les hommes étaient rudes. Seuls donc survivaient les plus solides. Puis j'ai tenté, depuis 2011, de faire de la politique autrement et d'ouvrir les horizons de chacun, d'instaurer un courant de participation et de tolérance que j'estimais nécessaire à la bonne évolution de notre commune. Dans ce cadre, je voudrais avant tout remercier mes amis du collège et surtout Thomas, qui a permis en m'accompagnant d'opérer ce changement. Thomas, dont la compétence et la loyauté ne sont plus à démontrer, a en outre géré notre commune de manière extraordinaire durant les années. Alors, je vais dire des mots positifs pour chacun, ça va être très mignon. Mais aujourd'hui est avant tout un jour de fête, car nous installons un nouveau bourgmestre, mon ami Grégory Finiton. Je l'avais choisi, on en avait parlé, et les hasards de la loi électorale font que ce choix se concrétise maintenant. Nous sommes ensemble depuis 17 ans déjà, et je peux vous affirmer que Grégory a toutes les qualités pour faire un excellent bourgmestre. C'est un homme subtil, intelligent et lui aussi loyal, ce qui est une qualité rare en politique. Il aura la charge passionnante de diriger notre commune et de poursuivre son développement. Je n'ai aucun doute qu'il mènera cette mission avec détermination et efficacité, surtout avec cette équipe qui est la nôtre, qui est la vôtre. Cher Grégory, c'est donc avec beaucoup de satisfaction que je te cède l'écharpe mayorale et que je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle fonction. Une prestation de serment du Nouvelle-Espagne. Conformément à l'ordre au pacte de majorité de ce jour, le conseil est habitué à procéder à l'installation du Nouvelle-Espagne, M. Philippe Serre. M. Serre n'a pas cessé de remplir depuis son élection les conditions d'éligibilité. Oui, je voulais dire un mot et je vous rassure, je serai toujours que mon collègue écolo. Moi, en tous les cas, je tenais à remercier Stéphane d'avoir toujours laissé s'exprimer librement, c'est important, l'opposition. Et l'état d'esprit a été en permanence positif. Et je suis presque sûr qu'avec Grégory et Philippe, il en sera encore ainsi dans l'avenir. En tout cas, Stéphane, moi je te souhaite une bonne continuation pour l'avenir.